Bruno Moïta, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Petite Observation Automobile. Bah écoutez, avec plaisir. Chez Citroën, vous vous occupez des produits futurs, hein, ouais. C'est ça, votre titre exact? Oui, j'étais responsable des produits futurs jusqu'à l'été dernier. Maintenant, je suis responsable du développement de la gamme DS. Voilà, donc c'est vous qui imaginez un peu le demain. Mais là, on va parler du passé parce que je viens de découvrir, venez avec moi, que la DS de 1956 qui est présente au DS World, c'est la vôtre. C'est la mienne, absolument. C'est génial. Ah oui, on m'a dit tout à l'heure qu'elle était un particulier, mais alors, comment vous l'avez dégotée, celle-là? Oh, ça, c'est une histoire amusante. Venez dans la lumière. Ouais. Il existait chez Citroën un journal qui s'appelait Traction 2000. Ouais. C'était donc avant les années 2000, ouais. Avec une rubrique Petites Annonces, dans laquelle j'ai vu cette voiture à vendre, sans aucun numéro de téléphone à contacter. Facile. Donc, après une recherche auprès de la rédaction, puis premier contact qui était le gendre du propriétaire de la voiture, qui ne connaissait pas la voiture, j'ai fini par me déplacer et puis la trouver, telle que vous la voyez là ou presque. C'est une des toutes premières. Hein, c'est une des toutes premières. Il y a le numéro 6364. C'est à 6364. Alors, j'ai une question. Je vois une petite horloge dedans. Ouais. Est-ce que c'est l'horloge de série? Absolument. Je me posais la question. C'est une horloge qui n'est pas électrique. C'est une horloge mécanique. Horloge mécanique, je vais faire un gros plan dessus. On remonte toutes les semaines. J'avais jamais repéré. Et vous roulez avec? Elle a combien de kilomètres? Personne ne le saura jamais. Non, parce que je vois aussi avec beaucoup de la peinture à l'air d'époque, là, elle est craquelée, mais très chic, on dirait du crocodile. Les joints ont l'air d'époque aussi. Ouais, presque tout est d'origine. Elle avait ma voile de peinture il y a très très longtemps, avant même que je ne l'achète. Et tout le reste est conforme à l'origine, avec des garnissages qu'on ne trouve plus, comme les longerons garnis de cette manière. Enfin, c'est génial, parce que vous êtes chargé d'inventer le futur de DS, et vous avez la première. Et on peut avoir confiance, alors. Merci pour ce petit clin d'œil super. Merci.